Affaire en or. Ah, il... Oui. Le jeu du chapeau au pays du sable. Des sables. Derrière le comptoir. Nickel. Vous gagnez une lune dans ce moment de la vie. Quand on vibre le sol du désert. Quand même. C'était bizarre. Au sommet d'une dune. Ouais. On danse avec de nouveaux amis. Allez, ça tout le monde, c'est Retusha et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9, si mes souvenirs sont bons, dans mon let's play 100% sur Super Mario Odyssey. J'espère que vous allez bien. Dans la précédente vidéo, on avait exploré le pays des sables, donc dans lequel on avait récupéré quelques petites lunes au passage. On avait appris sur la zone, on avait appris sur un petit peu l'histoire également de la zone. Et donc du coup, dans cette vidéo, on va continuer, mais avant, on va se rendre sur le pays des chapeaux et le pays des chutes pour récupérer peut-être des lunes qu'on aurait peut-être manqué. En fait, il me semble, alors je sais pas si c'est pour tout de suite dans le pays des chapeaux, mais en tout cas il me semble qu'il y a une lune qu'on peut, je crois, atteindre maintenant. Donc du coup ça prendra que 5 minutes, c'est juste au début, du coup voilà, du coup ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus très loin, mais on va s'y rendre quand même, on va s'y rendre quand même. Donc alors on s'était arrêté voilà là-dessus. Donc on avait fait pas mal d'ailleurs du village, on avait vraiment fait pas mal. On avait récupéré pas mal de lunes également. Voilà, on avait récupéré pas mal de lunes. On va directement partir pour le pays des chapeaux, enfin du chapeau en tout cas. Donc on va s'élever à... Alors ça par contre, je vais essayer de prendre, comment ça s'appelle ? Je vais essayer d'avoir en tout cas l'intelligence de le faire. En gros, j'aimerais bien à chaque fois vous quitter sur le truc qui permet de voir les lunes au total. Vous avez vu ce que je viens de faire? Ça, il faudrait que j'y pense. Donc, on va aller au pays des chapeaux. Donc, on va se mettre le costume exprès quand même parce que j'adore adapter le style. C'est un truc que j'adore. Je trouve que ça fait un roleplay et deux, c'est beaucoup, beaucoup plus agréable pour vous. Et également, ça rime avec le pays. Donc, on y va. Tu vas aller dans un autre pays. En fait, Mario a froid même dans n'importe quelle situation, hein, j'ai remarqué. Donc, on va directement aller se rendre au pays des chapeaux. Dans lequel on va voir. Alors, il y en a une que j'ai en tête. Alors, je sais pas si on va pouvoir maintenant. Mais il y en a une que j'ai en tête. Donc, on verra. On verra. Mais voilà. Après, sinon, on va aller au pays des chutes. Par contre, elle, on va pouvoir la récupérer maintenant. Et après, on retournera au pays des sables. Pour pouvoir bénéficier pour continuer tout simplement la zone. Parce qu'on n'avait pas du tout fini, souvenez-vous, dans la précédente vidéo. Donc on va normalement parler, il y aura un petit menu, un petit truc à bord. Si on profitait du voyage pour faire un peu de lecture. Truc de voyage, saut de charge au sol. Et envie de sauter un peu plus haut que d'habitude pour atteindre un endroit élevé. Sauter juste après une charge au sol pour effectuer un saut en charge au sol. Oui, il faut parfois savoir prendre de la hauteur. C'est bon à savoir, non? Allez, on y va. On y va. On va directement dans le pays des chapeaux. Donc, je sais pas si on va pouvoir la récupérer maintenant, hein, je vous le dis clairement. Et hop, on y va. Alors, d'après ce que j'en ai vu, c'était ici. Non, c'est pas ici. Y a personne sur les cabines? Sur une des cabines, y a personne? Je crois que c'est lui, non? Je sais plus. Il va falloir réparer les vaisseaux. Donc, c'était pas pour maintenant. Donc, on va aller par contre se rendre maintenant au pays des chutes. Dans lequel nous allons récupérer une lune, simplement. On peut récupérer maintenant. On y va, on ne s'attarde pas. Mais avant, on va quand même s'habiller. Voilà, on va se mettre classe pour aller au pays des chutes. Donc le pays des chutes, on va s'équiper du costume qui d'ailleurs va dans le pays. Nickel.
on y va. Tu veux aller dans un autre pays? Oui, nous allons partir au pays des chutes. C'est parti. Et c'est parti, let's go. Nickel. Le pays des chutes, d'ailleurs, on le voit d'ici, hein, mais bon. Ça, c'est stylé, par contre. Le panorama comme ça, c'est très, très stylé. Bon, 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 si on profitait du voyage pour faire un peu de lecture. Truc de voyage, soit longueur. Envie de sauter plus loin ou d'avancer plus vite? Rien de plus simple. Courir, accroupissez-vous et sauter pour effectuer un saut à longueur. C'est bon à savoir, non? Yes! Donc la lune, en fait, souvenez-vous, c'était là où il y avait l'Odyssée. Je vous avais dit, il y a deux épisodes de là où il fallait la récupérer, mais c'est que j'ai totalement zappé. Je vois ce que j'ai totalement zappé, donc du coup, on va rattraper le temps perdu. Attendez, mais en fait, on est là, pourquoi pas. Merde, pas grave. Nickel, maintenant, on y va. Qu'est-ce qu'il y a là, lui? Oui, oui, mais pourquoi ça m'a clignoté? On va comprendre. Ah, alors, attendez. Avant ça. Voilà. Et voilà, c'était ici. Ah. Maintenant. Non, non, tombe pas dans le vide. D'accord. Voilà, nous avons réussi une lune. Pif, caillou devant la cascade. Pif, caillou devant la cascade, d'accord. Ah, oh, fuck. Fuck. Bon, c'est pas grave. On y va, on y va. Merde. On y va, on y va, on y va, on y va. Nickel. Et nous allons placer la petite lune. Yeah. Et donc du coup on va s'équiper pour la prochaine zone. Dans la prochaine zone, ben, maintenant on va aller au pays des sables. On va continuer le pays des sables. Et cette fois-ci on va partir à droite du pays des sables. Voilà, on va se mettre en poncho. Poncho. En fait, je trouve que le Crazy Cap, par contre, ça va dans tous les pays. Je vous jure, ça va dans tous les pays. Enfin, étrangement, c'est le violet et le jaune. Je trouve que ça va dans tous les, pour le moment, dans tous les trois pays où on était. C'est énorme. Pays des sables. C'est le seul costume dans lequel je trouve qu'on est vraiment mieux à 3. Le Mario de base, je le trouve pas du tout mieux. Bon, ça comme ça, non, pas du tout. Il y a plein de pays dans lesquels je trouve que c'est pas du tout adapté. Mais il y a plein de pays, par contre, le Poncho, le costume Crazy, est en tout cas très stylé. Mais vraiment. Le plus frappant, c'est le pays des sables. Je trouve que c'est le pays des sables. Le plus frappant. Ça m'a frappé à l'œil, ce pays des sables. Bon, 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 si on profitait du voyage pour faire un peu de lecture, truc de voyage, triple saut. Envie de sauter plus haut ou lorsque vous courez, enchaînez 3 sauts et de suite en faisant attention au timing. Le triple saut vous propulse dans les hauteurs. Alors hop, 2, 3, sautez en rythme. C'est bon à savoir, non? Yes, et on y va, nickel. Donc, c'est parti. C'est parti. Le pays des sables, donc nous allons directement partir par la droite cette fois-ci. On avait exploré tout de la gauche dans la précédente vidéo. Maintenant on va aller à droite, vers l'oasis. Et voilà, au sommet de la tour des ruines, encore une fois. Nous allons récupérer encore les lunes un petit peu. Enfin, on a des lunes à récupérer de toute façon dans cette vidéo. Souvenez-vous, il y a la graine également à poser là-bas. Donc, normalement, alors j'espère que ça ne s'est pas signalisé quand je suis parti. Parce que je vous avoue que j'aurai les nerfs. Bon, je serai où ils sont les deux graines, mais bon. Non, ça ne s'est pas signalisé. Oh là là, c'est bon, le jeu a bien été conçu. C'est nickel, ça me rassure. Donc on y va. Donc on va vers l'oasis. On perd pas de temps. Parce que j'ai pas envie de perdre de temps non plus. Hop, on y va. Merde. What the fuck? Yes. Oui.
Enfin, nous l'avons eu. C'est une lune, en fait, ici, hyper difficile, limite à avoir, donc c'est pas mal. On les volatiles en vadrouille dans le désert. Nickel. Bon, par contre, ça, je le savais, c'était trop louche. Là où grosouillent les oiseaux, ou gazouillent les oiseaux, pardon. Donc, du coup, ça nous fait notre deuxième lune au total dans ce oasis. Alors, nous allons toucher la note de mélodie. Oula, on va faire attention. Nickel. Ensuite, nous allons aller ici. Nickel. Ah! On y va. Yes! Nous avons eu une autre lune. Et ça nous fera notre troisième. Course aux notes sur les palmiers. Donc, troisième de l'épisode dans ce pays, bien entendu. Pas au total. Donc, du coup, ben, ici, normalement, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. On continue. Je préfère quand même faire le tour comme ça parce qu'il peut y avoir des lunes. Souvenez-vous, on a retrouvé la graine là-bas dans la précédente vidéo. Donc, je préfère largement faire ça. Attendez, qu'est-ce qu'il y a quoi ici? Il n'y a rien du tout dans les trucs comme ça. Attendez, il y a un autre. Ah non, mais lui, on l'avait déjà fait. Donc écoutez, on y va. On part. Alors il me semble. Voilà, c'est ça. Alors ça, regardez, le cactus, il est un petit peu spécial. Alors ça, je sais ce qu'il faut faire. Je regarde toutes les runs 100% et tout. Donc j'arrive à le mémoriser. On va le déplacer. Et on va faire une charge au sol. Et pour lequel, on va débloquer une lune. La marche du cactus. Yeah! Nous avons débloqué une quatrième lune. On fait le tour, on continue. On perd pas de temps. Ça fait 11 minutes de vidéo déjà, donc on va éviter de perdre trop de temps. Ça sera pas pour maintenant. L'épreuve. Oh putain. Ok, donc ça on le fera. On va le faire. On va voir ce que c'est. Il a l'air bizarre aussi ce pylône. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça a l'air spécial. On va s'arrêter jusqu'à là. Voilà, et puis on va directement couper par là. Voilà. Ah, ne vous inquiétez pas, on fera d'abord le tour. Hein. Mais d'abord, je veux aller au centre, vu qu'on a un petit peu tout fait. Donc on va un petit peu aller au centre d'ici. Donc écoutez. Alors là, je sais pas ce qu'il y a. Oh, je sais pas si c'est une lune. C'est bizarre ici quand même, non? Ça me semble pas bizarre. Ma foi. Bon, c'est pas grave. Par contre, ça c'est bizarre par contre. Là, on peut dire ce qu'on veut, mais avouez que c'est chelou quand même, non? Il y a quoi là-bas? Dire qu'on peut y pénétrer là-bas. C'est quoi ça? Mais comment peut-on y aller là-bas? Je comprends rien. Alors là, s'il y a pas une lune. Alors là, il faut gérer les sauts maintenant. Il faut gérer les sauts avec des casquettes. Donc, 1, 2. Ouh, what the fuck? Je croyais que j'allais me louper. Ouf, ok. Ok, on a réussi. Donc, c'est parfait. Ensuite, nous allons aller. Oh là là, maintenant j'arrive à gérer les amis. Comparé à l'épisode 5 ou à l'épisode 6. où il était une calamité, maintenant on arrive à gérer ça. Oh, il veut nous parler. Attention, pas toucher, impossible de traverser dans ce... Quoi? Dans ce véhicule spécial. D'accord, what the fuck. On coupe pas. Oh, il y a trop de choses à faire ici. Oh! Ça, à tous les coups, il y a une lune si on arrive à l'attraper. Ou si on arrive à la suivre. On va essayer de le suivre. What the fuck? Ça nous donne une pièce, d'accord. C'était très intéressant. Alors, nous allons parler au coupable, vu qu'il est à côté. Hein, on va profiter. Hein. Salut copain, un petit défi, ça te dit? Marcher, c'est bien marcher dans les règles. C'est encore mieux. Et c'est ce que je te propose d'essayer. Si tu arrives à aligner tes pas comme il faut... Tu repars avec un prix, alors intéressé, je tente le coup. Ça marche, copain. Les règles sont simples, il suffit de marcher en suivant les flèches sur le sol. La petite difficulté, c'est qu'au bout d'un moment, les flèches en question disparaissent. Tu dois afficher au moins 80 points au compteur pour l'emporter, ok? Allez, zou! En marche!
Ok. Oulala. On y est là? On y est? Je sais pas si on y est, mais en tout cas... Oh putain, non, pas du tout. Ok, voyons le résultat. Tu devrais obtenir au moins 80 points pour la portée. Si tu te souviens bien, tu as marqué 84? What the fuck? What? 84? Tip top. C'est une affaire qui marche, copain. Tiens, cette lune est pour toi. Yes! Randonnée dans les dunes. Dans les dunes. Oh yeah. Il y a que ça? Je n'ai plus... j'ai plus de prêt en magasin, mais tu peux toujours en tenter le coup si tu veux... Pas la beauté de la marche. No problem, copain. Reviens me parler si tu changes d'avis. Bon, c'était facile. Je m'attendais pas du tout au réussir du premier coup. Je me suis dit, putain, ça va du record nous durer beaucoup de trucs. Alors là-bas, s'il n'y a pas une lune, c'est spécial parce que le truc vide tout seul et tout. Alors je pense qu'il faut utiliser la tactique des sauts, encore une fois. Donc du coup, on va faire un truc. Non. Attendez, je sais ce qu'il faut faire, je pense. Tac. Non! Ah merde! Ah, je voulais garder la casquette! Ah! Non, il faut pas que je retombe dans l'épisode 5 ou dans l'épisode 6. Ça, c'est interdit, ça. C'est totalement interdit. Bon, heureusement, on peut pas à côté, hein. Bon, ce qui est bizarre, c'est que, regardez. Attendez, mais c'est normal que lui, il est seul? Parfois. Allez. Oui. Oh, je suis dégoûté, il n'y a même pas de lune ici. Je suis allé ici pour rien. Non. Pouah, ça j'arrive à gérer maintenant. J'arrive à gérer maintenant les sauts comme ça. C'est du n'importe quoi. Au début j'en galérais, je galérais comme un chien. Je dis que j'allais jamais arriver à ce jeu. Maintenant regardez. Regardez le papa. Hein, regardez le King. Le gars qui s'appelle pas du tout. Mais pas du tout, quoi. C'est bizarre, non? Non, c'est moi qui hallucine un petit peu trop. Je reviens, les amis. Je vais faire sortir mon chien. J'en ai pas pour longtemps. Je vais faire sortir mon chien parce qu'il veut pleurer pour... il pleure pour sortir. A tout de suite. Re, les amis. Donc, je vous rajoute 2 minutes. Ne vous inquiétez pas. Je vous rajoute 2 minutes. Je vais faire un petit... Voilà, re les amis, je vais vous rajouter 2 minutes, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a une lune normalement, non? Oh putain, alors oui, il y a une lune. Alors, comment on va faire pour l'attraper? 1, 2, 3. Ah! Merde. Attendez. Ah! On peut pas l'attraper comme ça en fait? Oh, 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 oh. Sur le pilier penché. Oh là 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 là. Oh, je vous jure, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Oh là là. Pouh, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Bon, écoutez, alors lui par contre, alors lui, oh, comment on va faire? Merde, comment on va faire? D'ailleurs, la graine, la troisième graine, on l'a encore vraiment pas trouvée, hein. Je sais pas où elle est, hein. Ah merde, donc à tous les coups, il y a une lune avec ça, non? Je sais pas. Ah, donc ça c'est pas pour maintenant. Donc il faudrait que je le refasse là-bas au fond. Il y en a même une en haut. Oh là là, il faut que... À tout le coup, il va y avoir une lune avec ça. Ça c'est bizarre quand même. Pourquoi il y a une longue pente comme ça? Wow, c'est quoi cette longue pente de malade? On va pas faire le tour de ça parce que ça c'est pour la quête principale. On va pas s'attaquer à la quête principale tout de suite. Moi c'est la quête secondaire pour le moment. On va explorer quand même la zone. Donc on s'attaquera aux autres choses dans la prochaine vidéo. Enfin dans la prochaine. En tout cas dans une des prochaines vidéos parce qu'on en a pas fini encore ici les amis. Hein. On en a pas du tout fini ici les amis. Donc du coup ça sera pas pour tout de suite. Donc ça ce sera pour la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine fois. On va quand même longer la rive parce que ce serait con que je loupe des choses. Il y a bien un moment, il va y avoir une lune avec ça. C'est obligé, hein. Ah, il y a bien un moment, il va y avoir une lune avec ça. Ok, alors là, par contre, voilà. Voilà, ils ont vraiment cru que j'étais assez con pour ne pas le voir, quand même. Du coup,
On y va, on y va, on y va. Oh! Ah, j'ai compris ce qu'il faut faire. Regardez, c'est très intelligent. Regardez ce qu'il faut faire. Pas du tout. Mais comment on fait pour faire ça? Attendez, elle est où la frame? Ah merde. Attendez, on va profiter qu'on est en phase d'invisibilité. Non, ça marche pas du tout. What? D'accord. Bon, on va pas pouvoir. Je pense peut-être c'est pas pour maintenant. Peut-être c'est pas pour maintenant. Vous pensez qu'il faut amener l'autre cactus et il faut briser avec l'autre cactus? Oh non, ne me dites pas ça. Ne me dites pas ça parce que je vous avoue que ça donnerait des envies de meurtre après. Faut entendre parler, bien entendu. Par contre, oui, c'est bien gentil, mais il faut. Ouais. Il y a pas mal de petites choses encore. Oh, regardez. Des pièces violettes, encore une fois. Une, deux, trois. Ça nous en fait 30. Par contre, on en a même. On a presque tout exploré, on est à peine à la moitié. Je veux pas dire, mais ça commence un petit peu à m'inquiéter quand même. Enfin, un petit peu, hein, bien entendu. Pas beaucoup, hein. Confié au nord-ouest d'Ifzek. Donc, en gros, ça, on l'explorera durant l'épisode prochaine, parce que là, on n'a pas du tout le temps de l'explorer maintenant. Attendez, mais ils ont vraiment cru que j'étais pas capable d'aller là-bas comme ça. Faut quand même pas me prendre pour un con. Ok. Wow. Alors là, à tous les coups, vu qu'il y a eu ça, là-bas, il y a une lune. Vous pariez combien? À tous les coups, là-bas, il y a une lune. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est... Ah, là, par contre, il y a une épreuve athlétique 2. Donc, ça serait pas mal, ça sera pour la prochaine fois. Et du coup, on a tout fait, quoi. Du coup, on a tout fait, il nous manque une graine. Ah, putain, c'est chaud. Oh, mais putain, mais c'est quoi, c'est... Je sais pas, c'est une... En plus, il y a une lune avec ça, c'est ça que je comprends pas. C'est un bouton ou c'est moi? Et qu'il faut là, quoi? Il faut quoi, le mouton? What the fuck? Ok, alors, il y a un mouton ici, dans un désert, au calme. Une multilune? What the fuck? D'accord. Une multilune qu'on ne peut pas attraper. Ah bah oui, je vois bien qu'on ne peut pas l'attraper. The fuck? Ah bah les amis, il faut s'arrêter là. On récupère cette dernière lune. Et on va s'arrêter là. Tomber du taxi. Oh putain. Oh, un humain. Un humain. Il y a trop de choses à faire. Mais il faut s'arrêter là. Je suis censé aller chercher un client, mais cette fichue voiture ne peut plus bouger. Ah bah oui, là, je comprends. Oh, what the fuck? What the fuck? Ok, d'accord. J'étais pas prêt. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Ah! Alors ça, ce sera pas pour maintenant. Enfin, si, ce sera pour maintenant, mais je peux pas le faire maintenant. C'est pas fini encore. Il y a pas mal de choses à explorer. Donc, les amis, on fera ça dans l'épisode prochain. Voilà, évidemment, dans l'épisode prochain. On continuera d'explorer là. Donc, je vais le tourner l'épisode prochain, vu que c'est l'épisode 10. Donc, je vais le tourner à la suite. Et après, voilà, je vais plus en tourner du tout. Ça, c'est bizarre quand même. Bizarre. Et donc du coup, voilà les amis, j'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu. Merci de m'avoir... Attendez. Oh non! Putain, on y était. On y était, les amis. Ah, mais il va se diriger là-bas. Putain, j'aurais pu l'attraper s'il était là. Bon ben les amis, oui, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, écoutez les amis, on va continuer le pays des sables dans lequel on va explorer ben, le reste de tout ce qu'on peut faire maintenant. En tout cas, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Hein. Regardez, il y a encore ça, il y a encore la jumelle à voir un petit peu. Le panneau à qui parlait, il se trouve quelque part par là. Voilà, il se trouve là-bas. Il y a même des personnes à qui parlaient. Bon bref, en tout cas, l'épisode n'est pas prêt de s'arrêter encore. N'est pas prêt de s'arrêter. Les amis, on se retrouve donc très vite pour de prochaines... Ah, plus, il y a l'Overworld aussi à voir. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci de m'avoir regardé. Et c'était Rinchai. Oh, yes. Allez, bye tout le monde.